Yo, what's up la famille? Bien ou quoi? On est là, on se retrouve pour une petite vidéo. Je suis sur le serveur RP. Si. Vous en rappelez, je vous ai fait une vidéo présentation il y a d'ici 2 mois. Mais là, depuis le temps, il y a eu beaucoup de changements. Donc, du coup, je vais essayer de vous faire voir un petit peu toutes les nouveautés. On remercie TonyGamer94. C'est avec lui que j'ai fait l'alliance. C'est grâce à lui que le serveur est en route. Les frères avec qui je peux passer du bon temps tous les soirs. Ça fait plaisir que la communauté peut rejoindre. Et après, on remercie aussi tous les petits staffs. Notag, Jean Lovo, Scarman, Yous, Hector, Falcon, tous les petits frérots. Après, il y avait Picsou, Daze, si. Il y a mon petit dodo, Papy Dragon aussi, qu'on remercie infiniment. Merci à tous ceux qui laissent ce petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le mettraient sur la vidéo. Ça fait plaisir, ça donne du soutien. Je vais vous faire voir toutes les petites nouveautés qu'il y a sur le serveur. Je vais essayer de faire vite parce que vu que je n'ai pas de site de montage, eh ben, j'ai du mal à faire des coupages et des montages. Donc, déjà, je vais commencer par faire voir. C'est que sur ce serveur-là, les frères, vous avez vu, moi je suis Luciano Arenas. J'ai mon téléphone qui sonne en pleine vidéo. Je suis désolé, les frères. Donc, moi je suis Luciano Reynosa, les frères. Je suis mexicain, cartel Sinaloa. Je sais pas si je vous ai fait voir, mais déjà, on a mis le Mexique. Donc, premier truc, je sais pas si vous verrez, on a mis le nouveau système d'inventaire. Ça, c'est très propre. Ça, c'est haut cam, les frères. Moi j'adore. Ça, c'est toutes les clés de voiture et toutes les conneries. Donc, le nouveau système d'inventaire, on veut manger. Bah, on appuie là, c'est bon, ça mange. J'adore. Rien que les petits items là, comme ça, je trouve ça beau gosse, les frères. Ça fait un petit peu mieux. Donc, le nouvel inventaire. D'ailleurs, qui est au top, au top, au top. On a mis un petit système, les frères. Vous avez vu, toutes les petites maisons, vous pouvez les acheter. En fait, d'habitude, dans les serveurs, c'est tu loues une maison et tout le monde se loue la même. Là, non, c'est une maison par personnage, par personne. C'est-à-dire que si moi, je décide de louer elle, là, que vous voyez sur la carte, eh bah, plus personne d'autre peut la louer. Ça, c'est bien ça. Donc, moi, j'ai loué elle. C'est-à-dire que là, il y en avait plein à droite, à gauche. C'est tout mon cartel qui les a loués. Donc, du coup, je suis tranquille. Tu t'achètes ta petite maison et plus personne peut avoir. What? Ça te fait pas tout le monde agglutiner devant, parce que quand t'achetais une baraque, tout le monde achetait la même. Au final, t'allais devant chez toi, c'était agglutiné, t'avais plein de personnes en même temps. Après, il y a un petit truc qui est pas forcément top, mais moi que j'adore les frères, c'est qu'on a mis un petit système. Est-ce qu'il est où le IKEA? On a mis un petit système de IKEA les frères, c'est-à-dire que tu vas là-bas, t'achètes tes meubles, et puis après tu peux aller rénover ta maison. Donc le IKEA, il est où les frères? Je suis désolé parce que j'y vais pas souvent au IKEA, attendez. On va regarder dans les petits trucs dans la légende comme ça. Il y a la chicha, hein, obligé hein, pour ceux qui aiment bien la chicha, les frères. Voilà, le IK, il est là. Donc le IK, c'est pas dur. Là, je vais faire que du mode de TP, les frères, pour aller plus vite. Voilà le IK. Donc je vais falloir quand même le devant. Je suis désolé, c'est la nuit, vous allez pas voir grand-chose quand je suis dehors. Voilà le petit IK. Hop, au calme. Tu vas là. Tu t'achètes tes petits meubles et tu peux meubler ta maison. Parce qu'il faut savoir que les maisons sont toutes vides. C'est à toi-même de les meubler. Mettre ton lit, mettre une télé, plein de conneries. Tu vas là. Bim boum. Et après, t'as vu, t'achètes ce que tu veux. Ça, c'est le système des tables. Les bouteilles, t'as vu, les lampes. La drogue, le cash, les lits. T'as vu? Ça fait un petit peu comme les Sims. On est sur GTRP. Mais ça fait un peu comme les Sims, ça fait plaisir. Donc, tu achètes ton petit meuble. Tu vas chez toi et tu vas l'améliorer. Regardez, voilà, je vais vous faire voir ma baraque. De quelle façon je l'ai faite. Bon, j'ai pas fait un truc de ouf. J'ai fait vite fait un petit appart parce qu'il faut savoir que moi je suis le cartel Sinaloa. Donc j'ai déjà ma grande villa que je vous ferai voir après au Mexique. Voilà ma baraque que je me suis achetée. 75 000. Au calme. Maintenant, je vais vous faire voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Bim boum bim boum. Moi je suis la personne qui rachète beaucoup d'or, beaucoup d'argent, beaucoup de bijoux et tout. Voilà mon petit appart. Bigos ou quoi? Donc c'est pour ça que j'ai fait style de mettre un petit peu beaucoup de bagues et tout, des montres, des billets. Voilà, c'est moi qui a tout mis. La table, le PC, mon fauteuil de dingue, si. Mon petit pieu. Et tout ce qui suit. Faut que je termine, hein, parce qu'il faut savoir que c'est un petit peu sommaire. C'est parce que c'est difficile, les frères, de faire du Sims dans le RP. Voilà ma baraque, les refs. Vous avez vu? Au calme. Après, il y aura d'autres petits changements dans le serveur. C'est avec la touche Y, les frères. Vous avez la roulette. Ça, c'est plus rapide. C'est quand vous voulez prendre des positions. Genre, moi, quand je suis en plein set, je veux prendre cette position-là. Tu vois? La police, quand ils sont en scène, ils veulent prendre position. Attendez. Tu veux lever les mains en vitesse, les trucs de gang, t'allonger. Tu vois, c'est beaucoup plus rapide. Ça, je trouve que c'est vraiment au top. Ouais, t'es allongé, tu fais un doigt, le mec, tout d'un coup. Donc voilà. C'est le système de roulette. Ça, j'adore, les frères. C'est au top. Donc là, je vous ai fait voir le bon coin. Je vous ai fait voir le système de roulette, l'inventaire, le système des nouvelles maisons.
Maintenant, je vais vous faire voir, c'est que d'où. Oh, Luciano Reynosa est convoqué au gouvernement ce soir à 20h30. Bah, Luciano Reynosa, à 20h30, il est pas là. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé, je peux pas. Je serai pas là ce soir. C'est moi, Luciano Reynosa. J'ai beaucoup de soucis avec la justice parce que je suis connu pour braquage, cambriolage. Du coup, ils sont beaucoup sur mes côtes. Donc, je vous ai fait voir le système de maison. Moi, je vais vous faire voir vite fait où j'habite. Donc, moi, il faut savoir, les frères, c'est que je suis du Mexique. Vous avez vu, je vais vous faire voir. On a mis un énorme pont ici qui fait que c'est la frontière entre le Mexique. Voilà. Faut que vous passiez tout ça. C'est la frontière entre le Mexique et l'Amérique. Hop, je me mets en autre clip. Voilà. Tout ça, ça c'est l'Amérique, les frères. Tout ça c'est l'Amérique. Tout ça c'est le Mexique. Tu passes ce grand pont. Bim boum, bim boum. Luciano Reynosa est convoqué au gouvernement ce soir à 20h30. Ouais, mais Luciano Reynosa il sera pas là à 20h30. Luciano Reynosa. Il revient du boulot, il finit de terminer sa vidéo et après il va aller manger quand même. Parce que Luciano Reynosa, il a besoin de manger. Donc regardez, et là, on arrive en Amérique. Pour ceux qui connaissent par rapport au GTA Online, c'est Cayo Perico. Donc il n'y a pas de nouvelles pour vous, vous avez déjà vu toute la petite ville. Voilà, je vous ferai ma villa à quoi ressemble, parce que moi je suis cartel Sinaloa, donc je rigole pas. Luciano Reynosa, il est refé le cartel Sinaloa. Donc il est doit d'avoir un grand palace. Ça c'est ma baraque, voilà. Tu rentres par là, petite avenue sécurisée, t'arrives là, tan. Et voilà ma putain de villa, les frères. Villa de dingue. Villa de dingue. Moi, j'ai la vente d'armes et toutes les conneries qu'il faut. Voilà, je vous ai fait voir l'Amérique. Je vous ai fait voir le système de maison. Maintenant, je vais vous faire voir qu'on a mis des nouveaux jobs. On a enlevé tous les jobs qui étaient trop communs dans tous les serveurs que vous voyez. Du coup, là, on nous a mis des petits jobs. C'est distributeur. Attends, je crois que c'est le bon coin, ça. Attendez que je réapparais bien. Je suis obligé de faire tout d'un coup comme ça, les frères, parce que je... J'ai pas de site de montage, donc du coup, je peux pas faire découpage et démontage. Ça, c'est en fait, non, c'est pas le travail. Ça, c'est un système. C'est le bon coin, les frères. Quand vous achetez une voiture, vous voulez la revendre, ou même acheter une voiture pas très chère au lieu d'aller dans la boutique ou d'aller au concessionnaire, il y a les joueurs qui vendent leur véhicule à leur prix qu'ils veulent. Regardez, là, il y a un Golf 7, tu l'achètes 150 000. Là, tu as YZ, tu l'achètes 60 000, tu vois. Audi RS4, 150 000. Ça va, il est pas cher l'Audi RS4, hein. Je vais peut-être l'acheter. Hein. Full custom en plus. Ah ouais, il est carrément pas cher. 1027,6, il est toujours pas vendu. Peut-être me le prendre, moi. Shafter, 124 speeder. Tu veux vendre tes véhicules, tu viens ici. Parce qu'il y en a beaucoup de serveurs, t'achètes ton véhicule. Après, si tu le revends pas, tu le gardes pour toi et t'aimes plus, bah tu l'as dans le baba, comme on dit. Là, non, tu vas au bon coin, tu peux aller le revendre. Et tu peux aller racheter aussi au bon coin des voitures pas très chères. Donc, je vous ai fait voir le système des maisons, l'inventaire, le Y, ma baraque au Mexique, le bon coin. Je vous parlais des jobs. On a enlevé tout ce qui était les petits jobs de merde que vous voyez un petit peu sur tous les serveurs. Nous, on a mis 2-3 jobs. Je sais qu'il y a un job, c'est tu prends des voitures sur un camion, tu dois les apporter d'un point A à un point B. Après, tu as un autre job, c'est distributeur, centre de distribution. Si tu vas, tu vas amener des colis, en fait. Si tu vas là, tu prends une voiture et t'amènes une petite camionnette et t'amènes les colis à droite à gauche. Donc, il y a encore quelques petits jobs. Il y a tout ce qui est tabac, ça, c'est obligé. Après, les quartiers sont toujours là, les frères. Vous avez vu, là, vous avez les Families. Là, vous avez les Bloods. Les Bloods, je vous ai déjà fait voir leur quartier qui est très beau. Les White, les Bloods, les Families, les Los Aztecas, les Balas, les Vagos. Là, il y a les Marabunta. Donc, nous, on a plusieurs gangs. Il y a tous les gangs que je viens de vous dire. Après, il y a des mafias. Il y a la Cosa Nostra, donc la mafia corse, si je me trompe pas. Ou italienne, je ne sais plus. Il y a la mafia russe. Après, il y a les cartels, donc moi, cartel Sinaloa, ta cartel Tijuana, cartel de Cali. Voilà, les frères. Qu'est-ce que je peux vous faire voir de plus? Le système de banque. Tiens, ouais, je vais vous faire voir ça, les refs. Le système de banque. Tout nouveau. Moi, j'ai jamais tombé dessus sur les autres serveurs. Tu viens à la banque, comme dans la vraie vie. Tu mets ta carte bancaire, et puis boum, boum, tu retires l'argent. Il y a un F5... Voilà, j'utilise ma carte. Bim boum, bim boum. Ton code secret, mais qui n'est plus secret quand t'es en stream. Hop, ton bonhomme, il fait ses petites manipulations, il fait ce qu'il a à faire, quoi. Et là, tu peux retirer ton argent.
Tu vois, déposer de sub, retirer de sub. L'achat à 564 000, les frères. Faut savoir que j'avais 1 million il y a 2 jours, mais j'ai acheté la dose d'armes. Voilà les refs. Après, il y a tous les jobs normaux, hein. Le pompier, non. L'ambulance, vous avez les flics. Moi, je travaille au Unicorn. D'ailleurs, on a acheté un superbe mapping à 40 euros. Mais je peux pas vous faire voir parce que vu que je me suis pris du TIG, là, je suis en tant que tabac. Regardez la carte, elle est tout aussi bien. Je vous ai fait voir les Mexiques. Je vous ai fait voir les deux petits nouveaux jobs. D'ailleurs, il y en a encore un ou deux, mais je sais plus où ils sont. Je vous ai fait voir le système des maisons. Je vous ai fait voir le système des maisons à améliorer avec le IKEA. Je vous ai fait voir la banque. Je vous ai fait voir l'inventaire, le Y. Voilà les frères. Maintenant, ce que je peux vous faire voir d'autre, c'est peut-être mon activité préférée, moi, sur la zone. La zone US qui s'appelle le serveur. Grosse alliance avec Tony Gamer 94. Si, mon ref. Qu'est-ce que je peux faire voir? Ah, il y a un label de musique. Si vous voulez aller poser quelques sons, faire un petit peu de rap, il y a un label de musique là, les refs. Il y a quoi d'autre? Et après, il y a les jobs comme tout le monde, un concessionnaire, flic, ambulance. Je peux pas vous faire voir les mappings parce que ça va prendre trop de temps et comme je vous ai dit, j'ai du mal à faire les montages, les frères, parce que j'ai un nouvel ordinateur et j'arrive pas à télécharger un site de montage. Je suis une galère. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se faire voir mon activité préférée. Regardez, il y a un système, les frères. Il est énorme. Il est énorme. C'est un système de cambriolage. Oh, ça, c'est mon activité préférée en ce moment. Regardez, là, j'ai pris ma petite voiture. Moi, il y a tout plein de voitures, les frères. Des Audi, des Porsche, des Mercedes, des BM, plein de conneries. Est-ce que si je me TP avec ma voiture, ça va fonctionner, les frères? Tiens, je me pose cette question. Comme ça, je vais aller plus vite vous faire les cambriolages. Je vais regarder ça. Je vais me TP là avec la voiture, voir si ça fonctionne. Ouais! Troyum, je suis avec la Gova, nickel! Au câble, les frères. C'est bon, je vais vous faire un petit cambriolage, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est vraiment terrible, les petits cambriolages. Donc, je vous ai fait voir l'inventaire, le nouvel inventaire avec les nouveaux items. Je vous ai fait voir le Y. Je vous ai fait voir le système de maison. Le système de modification de maison. Je vous ai fait voir le Mexique avec la frontière. D'ailleurs, il y a souvent les flics qui patrouillent à la frontière. Toutes les nouvelles cités, je vous ai fait le studio de musique, tous les petits boulots que tu peux faire maintenant, distributeur, après tu prends les voitures, tu les mets sur le chariot, tu les ramènes. Je vous ai fait voir le bon coin pour la revente et l'achat des bijoux. Le bon coin pour l'achat et la revente des véhicules. Je peux pas vous faire voir tous les véhicules parce que ça va prendre beaucoup de temps. Là, maintenant, il me reste juste à vous faire voir les cambriolages et puis c'est bon. Il y aura peut-être une petite partie 3 dans pas longtemps, les frères. Regardez le cambriolage à quoi ça ressemble. Comme ça, si vous voulez, les frères, on va faire un petit cambriolage. Les flics qui vont venir. Et je vais faire une petite course-poursuite devant vous. On va voir si j'arrive à les semer. Si j'arrive à les semer, tant mieux. Si j'arrive pas à les semer, bah je leur dirai que je suis en vidéo. Je suis en train de faire voir un truc, quoi. Le mec, c'est pas trop d'enfoiré. En tout cas, je remercie mon petit Tony Gamer. Hein. C'est grâce à lui que maintenant j'ai un serveur RP. Il s'occupe presque de tout, les frères. Faut savoir que moi, je suis pas souvent là parce que je travaille énormément. Lui, il s'occupe de tout, mais il est déterminé. Il m'aide, mais d'une force. Oh là là. Donc, je ferme ma voiture pour qu'il n'y ait aucun putain de pouillot s'y vient. Donc, en fait, le système de cambriolage, c'est tu vas devant les maisons. Si tu vois qu'il y a le petit rond bleu et que ça n'a pas été crocheté, là, tu peux crocheter. Donc, tu appuies sur E. Faut avoir un outil de crochetage, bien sûr. Si t'as pas l'outil de crochetage, tu peux pas piquer dans les maisons, les frères. Très important. Parce qu'après, il faut savoir. Vous avez vu là-haut, crochetage. Après, il faut savoir. C'est que certains gangs peuvent s'occuper de la drogue. Il y a tout ce qu'il faut en drogue. Hein. Ecstasy, LSD, weed, opium, tout ce qu'il faut. Coke. Après, tu as les ventes d'armes pour les cartels. Donc moi, j'ai toutes les armes à vendre. AK-47, lance-roquette et tout. Et après, tu as le blanchiment pour les mafias. Vous avez vu, en fait, tu vas dans la baraque. Et hop, tu fouilles. Tu as quelques tiroirs à fouiller. Par contre, je sais pas pourquoi mon téléphone ne s'enlève pas. Un problème, ça. Regardez. Là, j'ai trouvé un bracelet. Juste avant, j'ai trouvé de la weed, mais on s'en sert pas. Hop, je vais vous faire tous les placards qu'il y a à prendre. Là, j'ai trouvé une Rolex. Vous avez vu, en fait, dans les cambriolages, c'est la Rolex et le sac de bijoux qui ramène à fond. Je suis désolé si la vidéo a fait 15 minutes. Elle est déjà à 14 minutes. Je pensais que ça allait être plus rapide que ça, mais il y a tellement de trucs à faire sur le serveur. Je vous ai même pas tout fait voir. J'ai un sac de bijoux. Ouais, il y a encore une Rolex. Ouais. Moi, je rachète les bijoux à tout bout, les frères. D'habitude, les bijoux, tu les revends en salle. Et après, tu dois aller voir le blanchisseur pour blanchir l'argent. Mais moi, ce que je fais, c'est que je vais voir les gens et je leur achète directement au propre.
Comme ça, ils ont pas besoin d'aller voir le blanchisseur et comme ça, ils sont motivés à venir me les vendre. Vous avez vu, tu vois, même là, t'as plein de trucs à fouiller, frère. Par contre, après, il va y avoir les pouillos, c'est-à-dire les flics. On va se faire la petite course poursuite tous ensemble. Si j'arrive à les fumer, tant mieux. Si j'arrive pas, j'utiliserai mon excuse de que je suis en vidéo. Hop, hop, hop. C'est bon. Alors, est-ce que les flics vont être devant? Est-ce qu'ils vont pas être devant? Parce qu'il faut savoir que quand tu fais un cambriolage, à partir du moment où tu croches la porte, ils ont un cigale, les frères. Allez. Est-ce que Luciano Renosa va être plus fort qu'eux? Non, allez, Mano, je suis en vidéo. Laisse-moi faire une course poursuite. Ah, ok, ok. Vas-y, vas-y, parce que c'est faut que je fasse. Faut que je fasse voir à quoi ça ressemble. Ah, ils me l'ont mise. Deux secondes, hein, tant qu'on se place. Fais le code. Attends, j'ai un petit problème. T'arrives ? Tu fais des 10-30 tous les 700 mètres. Allez, c'est parti, les frères. Petite course poursuite devant vous. Est-ce que je leur mets ? Ça, c'est parce que j'ai été trop long, les frères. Si j'aurais été plus rapide, ils auraient pas été derrière la porte. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles à plusieurs. Oh pardon, mais... C'est pas grave, on reprend. Monsieur. Moi je répare le véhicule et là je lui mets. Il a pas fait gaffe. C'est un petit de toute façon. Les petits ils savent pas qu'il faut rester loin de la voiture parce que sinon ils te pitent, c'est-à-dire ils te rentrent dedans. Donc ça fait vachement pas RP. Et regardez, je vais aller dans le centre-ville, je vais prendre deux ruelles et ils sont plus là. Parce que moi je me suis amélioré la conduite hein. Je suis pas encore un boss mais je me suis amélioré les frères. Parce qu'il faut savoir que moi de base je joue pas clavier souris les frères. J'étais un joueur GTA Online normal. Donc du coup c'est très dur quand tu passes d'une manette à clavier souris. Surtout quand t'as jamais joué de ta vie. Ah, ils sont encore derrière les enculés. Regardez. Là, je vais dans le centre-ville, je les mets une piquette. Partir, vas-y. Tu peux repartir. Il est gentil. Ah, c'est parti. Là, brut, en mode ruelle. C'est parti, les refs. Brut en mode ruelle, j'en ai même pas pris une. Ah, les bâtards. Les bâtards, ils sont blindés. Bon bah vous me verrez me faire choper dans la vidéo. Ah, les bâtards. Allez, vous savez quoi, est-ce que je fais de pointe et je rentre au Mexique? On s'arrête, je lui mets les mains. Enlevez votre masque. Il est pas, tu m'as mis des Surflex. Attendez, je l'enlève son masque. Non, il faut que tu m'enlèves les Surflex pour que je puisse enlever mon masque. PDP, on emmène au PDP. Enlève-lui. Il faut que tu m'enlèves mes putains de Surflex, j'ai les mains au bras. Descends. Maman, je vais conduire jusqu'au PDP. Allez, la famille. Bon, sur ce, bonne fin de soirée.
Bonjour, bonjour, mais vu je me suis fait serrer en live, je suis encore nul à la course poursuite. 10-19 au PDP. Bonjour, bonjour. Tous sur la zone US et tous chez Tony Gamer 94 les frères. Bonjour, bonjour. J'ai des gros problèmes. Je sais pas comment ça se fait ça.